Les légumes sont l'un des aliments bénéfiques pour le corps humain, dont on ne peut se passer. Ils se trouvent dans chaque maison et sont inclus dans toutes sortes d'aliments qui sont préparés, car ils contiennent des éléments et des vitamines importants pour une santé et une maladie. Corps libre. La santé est le premier trésor de l'homme qu'il doit préserver. Sur eux, et le corps humain a besoin de différents éléments tels que le potassium, le calcium, le fer, le magnésium, le zinc et autres, et ces matériaux sont tous disponibles dans de nombreux légumes. Nous avons rassemblé pour vous les 10 légumes les plus importants que vous devez inclure dans votre alimentation afin de profiter d'une bonne santé. Tomate. La tomate est l'un des nombreux légumes qui contiennent beaucoup de vitamines, et c'est l'un des meilleurs d'entre eux car il contient de la vitamine C, A, K et autres, ainsi que tous les minéraux essentiels, et contient également l'un des composants très importants, qui est le lycopène antioxydant, qui est un anti-cancer de la prostate, car il a été prouvé que les tomates contribuent à protéger la peau contre les rayons ultraviolets. Épinards. Les épinards sont l'un des légumes à feuilles les plus répandus dans le monde entier, et c'est un aliment riche en nutriments, c'est une riche source d'antioxydants qui protège le corps contre de nombreuses toxines et radicaux libres. Il est riche en calcium, vitamine C, A et K, etc. De plus, il contient une bonne quantité d'acide folique, de sodium, de magnésium et de fer. Carotte. La carotte est un type de légume qui est bon et très utile pour maintenir la vision des yeux. C'est aussi un excellent tonique pour la peau et les cheveux. Il contient des provitamines, des caroténoïdes et de la vitamine C qui améliore la vision nocturne. En raison de la présence de vitamine A, la carotte régule le taux de sucre dans le sang. De plus, elle contient des vitamines C et K, et il y a tous les minéraux dans la carotte comme le fer, le manganèse, le magnésium, le potassium et le phosphore. Brocoli, chou-fleur vert. Le brocoli est très riche en fibres alimentaires ainsi qu'en vitamine C, qui renforce le système immunitaire et protège contre de nombreuses infections bactériennes virales, et il a également des propriétés anticancéreuses, et la consommation de brocoli réduit le cancer de la prostate, ainsi que les troubles cardiaques. Choux de Bruxelles, choux commercialisés. Les choux de Bruxelles sont riches en acides gras oméga 3, en potassium, en fibres, en vitamine C, B, A et K et en acide folique, ce qui protège les femmes des anomalies cervicales, ce qui en fait un excellent légume pour les femmes enceintes, les femmes, et il contient également tous les principaux minéraux nécessaires. C'est l'un des régénérateurs des cellules. Céleri. Le céleri est une plante dont tous les composants sont utiles des racines aux feuilles. Les graines de céleri sont également utilisées pour traiter les crampes. Quant aux feuilles de céleri, elles contiennent une bonne quantité de fibres digestives, ce qui est très utile pour le contrôle du poids. Elle contient également du calcium, phosphore, zinc, magnésium, fer, huiles essentielles, acide folique et de nombreuses vitamines. Oignons. Les oignons sont l'un des légumes anciens. Les oignons sont consommés crus, cuits ou comme épices. Les oignons sont riches en soufre et sont donc très utiles en cas d'infection cutanée. Les oignons sont une riche source de vitamine B, A et K, et ils contiennent également du calcium et du phosphore, du zinc ainsi que du fluorure, ce qui est bon pour la digestion. Aubergine. L'aubergine contient une bonne quantité de fibres alimentaires et très peu de matière grasse, et une teneur élevée en protéines et vitamines B, A et E, et elle contient une bonne quantité de calcium, de phosphore et de zinc. Et l'aubergine a été trouvée être utile pour atteindre des niveaux de cholestérol modérés. Le chou a une grande quantité d'énergie et une faible teneur en matière grasse, c'est une excellente source de vitamine B, A et K, et environ 44% de vitamine C, ce qui le rend très nutritif,
et comprend le chouchou dans votre alimentation, votre est un excellent moyen de renforcer votre immunité. Patates. Les pommes de terre sont un aliment sain qui contient une valeur nutritionnelle élevée, contient une certaine quantité de glucides et une très petite quantité de matière grasse, et c'est une bonne source de vitamine A et de vitamine B, et elle est également riche en éléments tels que fer, magnésium, potassium, calcium et phosphore.